Alors qu'au départ, quand des gens commencent
commencer à avoir cette relation, n'est-ce pas, avec leur époux. Au départ, elles étaient pleines de feu. Ce n'est donc pas possible. Dieu m'a dit. Et voilà que une année après, n'est-ce pas, les femmes commencent à pleurer parce que le langage du Seigneur n'a pas été bien assimilé, bien compris. Alors ce soir, vous comprenez, nous voulons bien évidemment avoir un débat. Nous voulons parler, nous voulons sillonner dans notre Bible pour voir la manière dont Dieu s'est adressé à son peuple, à ses prophètes, à ses envoyés, afin de prendre des leçons qui vont nous être utiles pour nos projets de mariage, nos projets d'entreprise, d'études, pour les étudiants, pour ceux et celles également qui, bien évidemment, veulent servir le Seigneur. Et combien de personnes se disent-elles que Dieu m'a appelé, et elle rentre dans le ministère parce que Dieu m'a dit je suis apôtre, Dieu m'a dit je suis pasteur, et puis elle commence le ministère, et puis un an après, il n'y a plus rien. 10 ans après, après avoir commencé le ministère, tu te retrouves avec 5 pèlerins, 5 brebis. Alors, est-ce que Dieu a-t-il réellement appelé pour que tu te retrouves 10 ans après avec 5 brebis seulement? Alors, là, il y a un problème, frère. Alors, certainement, le langage du Seigneur n'a pas été bien compris. Vous savez, nous connaissons beaucoup d'échecs dans nos vies. Des échecs par rapport aux études, par rapport au ministère, par rapport au mariage. Et il y a plusieurs raisons qui sont à l'origine de nos échecs. Et une de ces raisons principales, c'est la mauvaise compréhension ou le manque de discernement par rapport au langage du Seigneur. C'est pas toujours le péché. Il y a des gens qui craignent le Seigneur, mais qui, quand même, connaissent des échecs comme pas possible, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas, au départ, bien sûr, discerné la voix de Dieu. Dieu leur a dit A, et eux, ils l'ont compris B. Voilà l'origine de la cause de nos échecs, parce qu'on a mal compris, on a mal interprété le langage de Dieu. Parce que quand bien même quand Dieu nous parlerait, il faut aussi décoder son langage. Parce que Job, dans Job 33, il y a eu la vie de Job, il nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais souvent on n'y prend pas garde. Et ça, c'est terrible. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Pourquoi Dieu nous parle-t-il? Parce que par les songes, par les visions, Dieu veut nous donner des avertissements. Dieu veut nous avertir. Dieu nous avertit des dangers imminents. Voilà pourquoi, frère, il va nous avertir, il va nous parler. C'est à nous maintenant de comprendre son langage. Et comment nous parle-t-il Dieu? Il va parler par les songes, par les visions, ça on le verra tout à l'heure. Mais Job nous dit d'abord qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire que Dieu peut te parler aujourd'hui d'une façon, et un mois après, il te parle d'une autre façon. Mais si toi, tu t'attends à ce qu'il te parle de la même manière, tu peux passer à côté, mon ami. N'est-ce pas? Voilà pourquoi tu dois être suffisamment sensible à la voix de Dieu pour ne pas passer à côté. Prenons la parole de Dieu pour voir comment Dieu s'est-il adressé au prophète. Nous prenons un roi. Chapitre 19. On va lire le verset 11 au verset 13. 1 roi, chapitre 19, verset 11 au verset 13. Alors, il est dit ceci. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et se tint à l'entrée de
terre. Et il entend la voix du Seigneur qui lui dit, sors, parce qu'il était dans une caverne. Alors, Dieu lui demande de sortir de la caverne parce qu'il voulait lui parler. Et quand il va sortir, il nous dit qu'il va voir, n'est-ce pas, l'éternel qui va passer, et devant l'éternel, il y a eu un vent fort, en gros, une grande tempête, une forte tempête. Et la Bible nous dit que Dieu n'était pas dans la tempête. Vous voyez? Alors, regardez maintenant dans Job, le chapitre 38, le verset 1er. Élie pensait que Dieu était dans la tempête, mais voilà que Dieu n'était pas. Et il y a eu un doux murmure, et c'est dans ce doux murmure que Dieu se révélait à lui. Et quand on arrive maintenant à Job, là, Dieu change de langage. Ce n'est plus la même façon de parler. Et Dieu nous dit la parole ici dans Job 33:1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit. Vous voyez qu'avec Élie, Dieu n'était pas dans la tempête. Mais avec Job, Dieu était dans la tempête. Vous voyez que si maintenant Job voulait à tout prix que Dieu lui parle comme il avait parlé à Élie, c'est-à-dire dans un doux murmure, Job serait passé à côté du langage de Dieu. Job n'aurait pas saisi, n'est-ce pas, le langage de Dieu, discerné le langage de Dieu. Et ça, c'est terrible. La Bible nous dit que dans la tempête, Dieu y était et il a parlé à Job. Maintenant, si Élie s'était dit parce que Dieu avait parlé à Job dans la tempête, et moi aussi, quand la tempête est devant moi, Dieu est forcément dedans, il va forcément me parler comme ça. Et il serait passé à côté. Dieu n'a pas le même langage avec les serviteurs. Dieu va dire, il va utiliser un langage avec tel serviteur, mais avec toi, ça va être un autre langage. Ne cherche pas à copier les serviteurs de Dieu. Parce que tu vas passer à côté de ton ministère, tu vas passer à côté de l'essentiel. Ne copie personne. Soit toi-même, sois authentique. Alléluia. Si Dieu a parlé à quelqu'un dans un songe, toi, ça va être peut-être de façon audible. Mais combien de chrétiens cherchent-ils à copier leurs frères et sœurs? Combien de chrétiens cherchent-ils, frère, à ce que Dieu leur parle comme il a parlé à leurs frères et sœurs? Et ils finissent par devenir jaloux. Parce que Dieu ne va pas forcément te parler comme tu le souhaites. Vous voyez comment, frères et sœurs, beaucoup de chrétiens passent à côté du langage du Seigneur, à côté de l'essentiel. Parce que nous voulons faire comme les autres. Nous voulons que Dieu nous utilise comme les autres. Frère, Seigneur, on peut dire, oui, Paul a dit, imitez-moi. Paul demande à ce que les chrétiens imitent son caractère, le caractère qu'il avait de Dieu, la sanctification, la crainte de Dieu, sa consécration. Mais quant à la manière dont Dieu, la manière que Dieu utilise pour parler à Paul, frère, on ne peut pas copier cela parce que Dieu est souverain. Il parle à qui il veut. Il s'adresse à qui il veut, frère. On ne peut pas l'obliger de parler à quelqu'un par les sons, les visions, la prophétie, tout ça. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Et c'est à toi d'être à l'écoute de son esprit. Et ça, c'est terrible. Chacun de nous, frères, est différent. Dieu n'agit pas de la même manière avec tout le monde. Job dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tantôt dans la tempête, et tantôt dans le doux murmure. Mais toi, ne cherche pas la tempête parce que Dieu a parlé dans la tempête à Job. Job a perdu ça, ses enfants. Job avait perdu ses 10 enfants, ses ouvriers. Est-ce que toi, tu es prêt à perdre également tes enfants, tes ouvriers? Voyez, frère. Donc, tu ne peux pas demander à ce que Dieu utilise comme Job si tu n'es pas capable de subir les épreuves de Job. Job, c'est Job. Tu ne peux pas demander le manteau d'Élie si tu n'es pas capable, frère, de confronter Akab et les faux prophètes. Élie avait besoin d'un doux murmure parce qu'il était traumatisé. Il était choqué. Il avait peur de Jézabel. Il
avec Job. Mais toi, ma sœur, toi, mon frère, qui regarde les casques vidéo des hommes et des femmes de Dieu, qui demande à ce que Dieu te donne la même option, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Sois naturel, sois authentique, sois toi-même. Ne copie pas. Dieu ne veut pas de la copie, Dieu veut de l'authenticité. C'est ça l'évangile. Dieu n'a pas le même langage avec tous ses serviteurs, mon ami. Alléluia. Vous voyez? Et ça, c'est très important. Alors, Dieu, on a compris que parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt dans la tempête, quand ça te secoue, c'est là que Dieu te parle. Voilà pourquoi, mon ami, si tu vis une tempête, si tu as l'impression que ça souffle partout dans ton couple, dans ton mariage, dans ton ministère, sois calme. Peut-être que dans cette tempête-là, Dieu va te parler. Ne t'agite pas. Sois dans le repos. Parce que Dieu peut-être a voulu, veut te parler par la tempête. Comme avec Job. Du milieu de la tempête, Job entend la voix du Seigneur. Dieu pose la question à Job. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours de l'intelligence? Dieu se révéler à Job par la tempête. Voilà pourquoi nous devons aimer les tempêtes qui viennent du Seigneur. Quand les apôtres ont traversé, n'est-ce pas, le lac de Jérusalem, la Bible nous dit que dans cette tempête-là, le Seigneur s'est révélé aux apôtres comme étant le maître qui est capable de marcher sur les eaux. Il fallait que la tempête souffle sur la barque pour que les apôtres apprennent un enseignement sur la foi. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons faire être sensibles à l'Esprit de Dieu. On doit être spirituel. Parce que dans tes épreuves, Dieu te parle. Mon ami, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand tu vis un doux murmure, c'est-à-dire quand tu as l'impression que rien ne bouge, tout autour de toi, c'est le calme total. C'est comme si c'est la mort. Alors que tu crains Dieu, ne t'agite pas comme un arbre mort. Sois calme, parce que c'est dans cette douceur-là que Dieu peut-être veut te parler. Mes amis, nous agitons tellement, mes amis. Nous nous prenons tellement la tête parce qu'on se dit, mais Seigneur, pourquoi tant de choses? Dieu ne me parle plus. Mes amis, je veux vous dire une chose. Dieu nous parle tous les jours. Et c'est nous qui ne cessons pas son langage. Dieu est un Dieu bon. Il ne peut pas nous avoir créé des bouches et ne pas nous parler, frère, parce qu'il a une bouche lui-même. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne saisissons pas toujours son langage. Parce que nous avons notre manière de voir les choses. Nous voulons à tout prix que Dieu nous parle de telle manière. Alors il y en a qui vont dire, Seigneur, écoute-moi, tu es là, tu ne veux pas regarder des visions, des songes. Alors cette nuit, je vais dormir, je veux à tout prix que tu me parles, mais peut-être même que toute la journée, Dieu t'a parlé. Tu n'as pas compris. Alors, comme Dieu ne veut pas qu'on te donne des ordres, mes amis, tu vas dormir, tu vas te rendre compte que ta nuit-là, elle était complètement noire. Pas de vision, pas de songe, pas de message. Parce que Dieu-là, le Dieu que tu sers est un Dieu souverain. Il ne faut jamais l'oublier. Alléluia. Le langage du Seigneur, nous sommes tellement distraits par les choses de ce monde, que nous ne saisissons plus son langage. Combien de gens se sont-ils lancés dans le ministère alors que Dieu ne les a pas appelés? Il y en a, Dieu les voit comme des diacres. Mais eux, ils ont entendu apôtre. Ils sont passés du diaconat à l'apostolat. Voilà comment beaucoup souffrent. Dieu ne te voit pas apôtre. Dieu te voit diacre pendant 10 ans. Mais toi, tu es devenu apôtre avant le temps. Parce que quand tu dormais, tu as dit, diacre, mais tes oreilles ont entendu apôtre des nations. Voilà comment il y a du désordre dans la maison de Dieu, parce que beaucoup de gens entendent mal la voix de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont devenus sourds et muets. Et nous devons, frère, prendre des cotons-tiges spirituels pour pouvoir nettoyer nos oreilles et notre entendement spirituel afin de discerner la voix de Dieu. Les gens disent, non, il parle crûment, ce monsieur. Mon ami, la vérité est crue. Pas à moitié qu'on ne doit pas parler, on doit parler pleinement.
Je rappelle tout un homme qui aime beaucoup parler pleinement au nom de Jésus. Tant que Dieu me donnera le souffle de vie, alors je parlerai. C'est l'occasion d'être en vie et de pouvoir parler, mes amis, parce que les morts ne parlent plus. Tu peux les insulter, ils ne vont pas nous répondre, parce qu'ils sont morts. Alors, tant que Dieu nous donne la vie, le souffle de vie, nous devons annoncer la vérité. Amen. Voilà, donc, ça c'est terrible. Comment savoir que Dieu me parle? Je reçois beaucoup de questions, j'entends beaucoup de questions comme ça. Frère, dis-moi, comment est-ce que Dieu me parle? Parce que je ne comprends pas, on entend toujours Dieu m'a parlé, Dieu parle, Dieu... mais moi, il ne me parle jamais. Et ça, c'est terrible, frère. Alors, beaucoup de chrétiens se retrouvent dans la même situation que le prophète Balaam. Balaam, Dieu lui parlait. Dieu lui donnait des ordres, Balaam n'écoutait plus. Balaam ne pouvait plus entendre la voix de Dieu parce qu'il était aveuglé. Aveuglé par quoi? Par l'amour de l'argent. Balaam avait déjà vu en esprit une planche pour lui. Alors vous comprenez que quand Dieu va lui parler, ce monsieur ne va même pas écouter. Regardez ce qu'il a dit dans le livre de Nombre, Nombre, chapitre 22. Nous allons lire à partir du verset 21. Balaam se leva le matin, scella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient devant lui, avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans le champ. Balaam frappa la messe pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. La messe vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Ce pied-là qui avait beaucoup marché. Dieu commence à le broyer. Balaam la frappa de nouveau. Quelle méchanceté pour les défenseurs des animaux. Balaam allait avoir des problèmes avec ces messieurs. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. La messe vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa la messe avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de la messe. Mon ami, parce que Balaam ne pouvait plus comprendre le langage de Dieu, il n'entendait plus. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La messe qui était le véhicule de Balaam ne pouvait plus rouler, ne pouvait plus marcher. Mais Balaam n'a pas compris qu'il y avait un problème, il fallait qu'il cherche à savoir pourquoi. Mais lui, tout de suite, il commence à frapper sur la messe. Et ça, c'est terrible. Alors qu'il n'a pas compris le langage du Seigneur, et Dieu ouvre la bouche de la messe. Et la messe dit à Balaam, ça c'est une vraie, un animal qui va parler. Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois? Les animaux peuvent parler, mes amis. Balaam répondit à la messe. Il n'a même pas compris de réaliser que son animal se met à parler. Tellement qu'il est en colère, il n'a pas réalisé qu'il parle avec l'animal. C'est parce que tu t'es moqué de moi. Il était vraiment aveuglé. Si j'avais une épée dans ma main, je te tuerais à l'instant. La lèvre dit à Balaam, ne suis-je pas de la messe que tu as de tout temps monté jusqu'à mes joues? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et tu répondis, non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà trois fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée de moi déjà trois fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Frère, vous en êtes donc un prophète. C'est lui qui est censé voir et parler. Il n'a pas saisi le langage de Dieu. Ça peut nous arriver à nous tous. Voilà pourquoi nous devons veiller. Comment
Dieu parle-t-il? Tu veux aller quelque part, mais tu as l'impression que tous les chemins sont. Le chemin, la porte est fermée. Tu as l'impression que toutes les portes sont fermées. Mais la vie, ce qu'on fait, il ne faut pas forcer. Alors, bien sûr, il y a des charlatans qui vont dire non, ce sont les démons qui sont devant vous. Satan vous empêche d'aller de l'avant. Mes amis, le diable ne peut pas bloquer un enfant de Dieu. Si tu vois que ta route est bloquée, ton chemin est fermé, pose la question à Dieu. Ne te précipite pas, sois dans sa présence. Demande lui ce qui se passe. Peut-être même que l'ange de Dieu est devant toi. Frères et sœurs, la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Balaam n'a pas compris que Dieu, par le refus, par le comportement de son ânesse, Dieu était en train de lui parler. Plus de trois fois, Dieu a parlé à Balaam et il n'a pas discerné la voix de Dieu. Il n'a pas saisi le message. Et voyez, frères et sœurs, parce qu'il n'a pas saisi le message du Seigneur, Balaam aurait pu mourir. Mais Dieu, merci Seigneur, Dieu est un peu d'amour. Il va cette fois-ci ouvrir les yeux de Balaam. Alors, voyez, frères et sœurs, le langage de Dieu n'est pas le nôtre. Dieu dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 55 que nous allons lire. Ésaïe chapitre 55, verset Saint-Esprit. Et on sera prêt là pour nous donner des passages bibliques. Nous allons prendre le verset 8 au verset 9. Notre thème de ce soir, c'est le langage de Dieu. Comment Dieu parle-t-il? Parce qu'on entend, Dieu m'a dit, mais comment Dieu parle-t-il? Alors, Dieu dit dans Ésaïe 55:8, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Frères et sœurs, il faut que nous comprenions une chose qui est très capitale ici. La distance qui sépare nos pensées de celles du Seigneur est éternelle. La distance qui sépare nos voix et celles du Seigneur est éternelle. Cette distance-là ne peut pas être, frères et sœurs, franchie. Elle est éternelle. Ça veut dire que nous ne pouvons pas, frères et sœurs, comprendre le langage de Dieu si Dieu ne nous aide pas, si nous ne prenons pas le temps d'être dans sa présence. Si nous ne lui demandons pas le discernement, parce que Dieu ne parle pas comme un homme, parle. Dieu ne s'exprime pas comme les humains. Dieu emploie plusieurs langages. Dieu peut employer un langage parabolique. Nous pourrons le voir tout à l'heure. Et c'est à nous d'avoir le discernement pour comprendre le langage du Seigneur. Alléluia. Vous comprenez? Le langage de Dieu, comment Dieu parle-t-il, frère? Ouvrez grandement vos oreilles ce soir, parce que vous verrez que, parce que vous n'avez pas certainement saisi la voix de Dieu, le langage de Dieu, voilà pourquoi vous êtes dans un échec. Oh, pourquoi je souffre dans mon ministère? Je n'arrive pas à percer. Je tourne toujours en rond. J'ai perdu beaucoup les membres de mon assemblée. Je me retrouve seul. Je me retrouve avec 10 personnes, alors qu'au départ, on était 200 frères. Dieu, quand tu nous appelles, c'est pour que nous allions de gloire en gloire, de progrès en progrès. Si tu régresses, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas commencer la gloire et finir dans la chair. Tu ne peux pas commencer avec 10 personnes et finir avec une personne, mon ami. C'est quelque chose qui n'a pas été saisi. Peut-être même le langage du Seigneur n'a pas été bien saisi. Peut-être même que Dieu t'a parlé, mais tu as compris autre chose. Dieu t'a parlé d'une chose, mais tu as compris autre chose. Et voilà pourquoi il y a cet échec. Et nous devons être de fois capables de nous asseoir et de faire le bilan. Seigneur, depuis que je te sais, Seigneur, depuis que je te prie, Seigneur, où sont les fruits, où sont les œuvres grandes, les grandes œuvres que nous sommes appelés à faire, les grands fruits que nous sommes appelés à porter. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous devons nous asseoir et analyser nos échecs. Pourquoi sommes-nous, avons-nous le souhait de tirer? Pourquoi sommes-nous arrivés à cet état? Pourquoi avons-nous autant d'échecs dans nos affaires, dans notre vie chrétienne, dans nos ministères, dans nos couples? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous avons réellement saisi le langage du Seigneur? Alors, vous voyez que le grand prophète Balaam n'avait pas saisi le langage du Seigneur.
Dieu a utilisé son Église, tout comme Dieu peut utiliser les gens qui sont autour de toi. Dieu peut utiliser n'importe quoi, n'importe qui, pour nous parler. Il peut utiliser n'importe quelle situation pour nous pour s'adresser à nous. Et c'est à nous, mes amis, de saisir la grâce du Seigneur. Dieu peut permettre ce que tu sois malade. Dieu a permis ce que Job perde même ses enfants, mes amis. Dieu a permis que Job perde ses amis, sa santé même. Job a perdu toutes ses entreprises. Mais c'était le langage de Dieu. Les amis de Job sont venus le voir pour dire, maudit Dieu est mort. Même sa propre femme dit, maudit Dieu est mort. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Depuis que tu es converti, il te laisse en galère. Regarde comment Dieu te laisse à la souffrance. Mais où est ce Dieu? Voilà les gens qui vont se moquer de nous parce que nous sommes dans la souffrance. Mais à la fin de Job 42, Job dira, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Le langage de Dieu pour Job, le langage de Dieu, c'est de quoi? Dieu a amené la souffrance, c'est le langage du Seigneur. Dieu voulait dire à Job par là, par sa souffrance, que je veux que tu me vois maintenant. Parce que je suis un Dieu de progrès. Je conduis mes enfants de progrès en progrès. Je vais commencer avec toi, Job, par te révéler à l'oreille, par me révéler à toi, par ton oreille. À ton oreille, je peux parler, mais je veux que mon œil, ton œil me voie. Donc, entre l'oreille de Job et les yeux de Job, il y a eu le langage de Dieu, il y a eu la mort de ses enfants, il y a eu la perte de ses entreprises. Mais Job, parce qu'il était spirituel, il a saisi le langage du Seigneur. Il dit à sa femme, Dieu m'a donné la santé, Dieu m'a donné la richesse, et maintenant qu'il a tout enlevé, maintenant que je veux dois-je le rejeter à cause de mes souffrances, Job a dit non. Je resterai fidèle jusqu'à la fin. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Job connaissait le langage de Dieu. Mes amis, dans vos souffrances, Dieu vous parle. Dans vos difficultés, Dieu vous parle. Mais c'est à vous, c'est à nous de saisir le langage du Seigneur. Et ça, très peu de gens vont le saisir. La moindre épreuve, on abandonne la foi. La moindre pression qui s'exerce sur nous, les critiques, les épreuves, les propos diffamatoires, les propos frères durs, méchants que les gens tiennent sur nous, contre nous. Si on n'a pas le discernement, si on ne comprend pas le langage du Seigneur, ces propos peuvent nous décourager, nous détruire, nous détourner du chemin dans lequel Dieu nous a mis. Et voilà pourquoi, mes amis, nous avons intérêt à saisir le langage du Seigneur. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais souvent on ne prend pas garde. Oh, mes amis, vous savez, des grands prophètes dans la Bible ont eu du mal à connaître, à comprendre le langage du Seigneur. Même moi qui vous parle, frère, ce n'est pas toujours évident que personne ne vous dise que oui, c'est à 100% le langage du Seigneur. Ah oui, je veux vous dire que même dans le Nouveau Testament, il y a eu des grands prophètes qui ont eu du mal à saisir le langage du Seigneur. Prenons par exemple. Nous prenons d'abord Matthieu 16. Le verset 7. Matthieu 16, 6. On peut aller jusqu'au verset 12. Matthieu chapitre 16, verset 6 à 12. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnèrent entre eux, le raisonnement. Et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, l'ayant su, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains de 5 000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains de 4 000 hommes et combien de corbeilles vous avez emporté? Comment ne comprenez-vous pas ce que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Voyez ici, les apôtres qui ont fait des miracles, qui ont ressuscité les morts, quand le Seigneur leur dit de se garder du levain des pharisiens, ils ont compris le levain
charnel. Mais parce que nous sommes charnels, nous sommes humains. Dieu est esprit. Nous sommes tellement remplis, mes amis, de défauts, que quand Dieu nous parle, quand son langage, quand nous recevons sa parole, nous pouvons la déformer. Voilà pourquoi Paul dit, en ce qui concerne les prophètes, que Dieu, deux ou trois parlent et que les autres jugent. Parce que nous pouvons, dans les canaux, frères et sœurs, remplis de saleté, nous pouvons souvent déformer les propos du Seigneur. Et le Seigneur leur dit de se garder du levain des pharisiens, de leur Seigneur des pharisiens, pour eux, c'était le levain véritable, le pain. Ils ont compris autre chose. Heureusement que le Seigneur les a rattrapés. Pour leur dire, Pierre, Jacques, Jean, ce n'est pas du pain que je suis en train de parler. Ne soyez pas charnels, comprenez mon langage. Il est primordial, il est important que nous comprenions le langage de Dieu vrai. Alors, regardez Pierre après la Pentecôte. Comment Pierre va comprendre le langage du Seigneur? Comment Dieu parle? C'est la grande question. Ah, Dieu m'a dit c'est mon mari. Ah, Dieu m'a dit c'est ma femme. Ah, Dieu m'a dit c'est l'apôtre. Ah, Dieu m'a dit c'est prophète. Oui, oui, c'est bien. Mais comment Dieu parle? Alors, nous allons donc Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous allons prendre le verset 9 et nous allons descendre petit à petit. Le lendemain, comme ils étaient en route, ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on le préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Regardez la réponse de Pierre. Pierre a compris le message charnellement. Il a compris que Dieu lui demandait de tuer physiquement des animaux, comme s'il s'agissait des animaux physiques. Et Pierre, en tant qu'un bon juif, bien enseigné dans la Torah, un bon juif, Pierre répond, non, Seigneur, voilà comment nous sommes vrais. Dieu te dit, c'est ta famille, non. Moi, je veux une blanche. Mais Dieu dit, mais non, c'est le noir que je te donne. Non, Seigneur. Non, au nom de Jésus, ça c'est pas Dieu qui parle, c'est un arrière de moi. Au nom de Jésus, sors de moi. Mais tu es en train de chercher ta propre bénédiction. Combien de femmes sont-elles célibataires aujourd'hui parce que quand Dieu leur a envoyé des hommes, parce qu'elles voulaient des hommes d'un certain type, je ne sais pas, 90, et Dieu t'envoie un homme qui mesure 1m60, qui est un véritable ton mari. Mais toi, dans ta tête, parce que tu es charnel, tu dis non, ça t'a hors de moi. Tu cherches ta propre bénédiction. Dieu dit, regardez Pierre, il a dit non à Jésus à plusieurs reprises. La première fois, c'était dans l'acte de Matthieu 16 là-bas. Il dit à son Seigneur, à Dieu le plaise. Non, tu ne mourras pas. Toi, Jésus, tu ne vas pas mourir. Si toi, tu meurs là, où nous autres là, allons y aller. Nous irons où? On va aller où? Et ici, le Seigneur lui dit, Pierre, regarde tous ces animaux de tout ça, les poignets, les quadrupèdes, des oiseaux, des serpents, des corbeaux. Le Seigneur lui dit, écoute, prends ton fusil là, ton fusil tue. Pierre dit, maintenant, mais Jésus, toi, t'es compliqué aussi. Qu'est-ce que tu me racontes là? Manger le corbeau alors que la Torah vous interdit de manger du corbeau. Effectivement, la Torah interdisait la consommation de la viande du corbeau. Et Pierre n'a pas compris le langage du Seigneur. Il dit non, Seigneur, regarde ce qu'il dit. Car je n'ai jamais rien mangé de suie ni d'impur. Est-ce que Pierre, Jésus-Christ, c'est peut-il te demander de manger quelque chose d'impur? Lui qui est saint, c'est parce que Pierre ici est encore charnel. Bien qu'il était rempli du Saint-Esprit, mon ami, tu peux être revêtu de l'onction et être charnel. Parce que le langage du Seigneur est des fois compliqué. Ah oui, mes amis. Dieu nous dit tu. Parce que derrière ces animaux-là, Dieu te voyait, Dieu me voyait. Dieu voyait les nations.
ces animaux dont Dieu avait interdit la consommation sous la loi représentaient les païens que nous sommes. Et les bons animaux consommables représentaient les juifs. Et maintenant ici, le langage de Jésus pour Pierre était un langage codé, était un langage spirituel. Par cette vision, Jésus voulait dire à Pierre que je veux t'envoyer chez Corneille. Corneille, qui était un officier romain, dont le nom signifie corbeau, tout simplement. Corneille est une des espèces de corbeau, un petit oiseau. Et Pierre, en tant qu'un bon juif, ne pouvait pas aller chez Corneille pour manger ce corbeau-là. Voilà pourquoi, quand il allait chez Corneille, les apôtres, acte 11, vont apprendre que Pierre était là-bas chez Corneille. Ils vont dire, tu es rentré chez les païens, tu as partagé le pain avec eux, c'est pas normal, Pierre dit, Dieu m'a dit. C'est pas que je considère les païens comme étant plus. Par cette vision-là, Pierre, en fait, Dieu donnait à Pierre une dimension nouvelle dans son ministère apostolique. Dieu lui ouvrait la porte des nations. Dieu disait à Pierre que désormais l'Église sera composée des nations. Parce que l'Église est née avec 120 Galiléens qui étaient tous des Juifs. Mais Dieu voulait que les serpents que nous étions, les corbeaux que nous étions, les bocconis que nous étions, frères de porcs que nous étions, nous fassions tous partie de l'Église. Mais Pierre dit non! Parce que Pierre était encore là, il avait encore une vision religieuse de l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi, mes amis, Dieu peut vous dire, vous qui me suivez, je vous envoie en mission dans un village d'Afrique. Mais vous qui êtes ici, là, vous allez dire, oh non, Seigneur, oh la baraka, la baraka, la baraka, au nom de Jésus, Seigneur, cette vision n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse. Mais pourtant, Dieu te voit en Afrique. Ah oui. Voilà pourquoi, mes amis, nous devons être suffisamment spirituels pour comprendre le langage du Seigneur. Alléluia. C'est important, mes amis. Comment Dieu parle-t-il? Voyez comment Dieu a parlé à Pierre ici. Alors, pour beaucoup, beaucoup diraient, alors moi, Dieu, je veux que tu me parles audiblement. Mais mes amis, si tu n'es pas suffisamment spirituel, tu ne vas pas saisir le langage du Seigneur. Alors, Jésus aurait pu dire à Pierre, Pierre, voilà les hommes qui vont venir te voir, envoyés par Corneille, et bien, va avec eux. Mais Dieu lui donne une vision parabolique, une vision très remplie de mystères. Alors, nous devons avoir le discernement de Dieu. Nous devons être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Parce que si on n'est pas à l'écoute du Saint-Esprit, on peut passer à côté de l'essentiel. Combien de personnes sont-elles sorties du droit chemin par des charlatans qui viennent les voir pour les séduire? Ils préfèrent écouter les hommes au lieu d'écouter Dieu. Frère, quand bien même tu te retrouves dans un combat, dans un tourment, dans les critiques, quand bien même dans l'assemblée où tu es, des problèmes de combat, avant de bouger, écoute Dieu. Écoute la voix de l'Esprit de Dieu. Le langage de Dieu. Alors, comment Dieu nous parle? Dieu ne parle pas des visions. Dieu ne parle pas des songes. Dieu ne parle pas la prophétie. Dieu ne parle pas par les connaissances. Dieu nous parle aussi par les circonstances. On a vu qu'on dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que si tu crains Dieu et que malgré la crainte de Dieu que tu as, tu te retrouves dans une maladie, tu te retrouves dans un combat, même si dans ton couple il y a des problèmes, ne sois pas charnel, ne réagis pas à la précipitation. Garde le silence. Garde le silence parce que au travers de tes épreuves, Dieu est en train de te parler, il est en train de t'enseigner. Parce que dans la situation, tu risques de sortir du point de Dieu. Reste calme, ne bouge pas de ta place, demeure dans ta présence, reste à l'écoute comme un bébé. Alors, si tu ne reçois pas les visions, les anges ne pensent pas que Dieu le pleure avec toi. Alors que tu crains Dieu, reste calme. Et ça, c'est très important. Le langage du Seigneur. Comment Dieu me parle, frère? Je ne sais pas comment Dieu me parle. Je prie, je jeûne, mais Dieu ne me dit rien. Non, non, frère, non, ça c'est faux. Si tu as jeûné, tu as cherché sa face,
Dieu a dû forcément te parler. C'est toi qui n'as pas saisi sa pensée. Vous savez, Dieu peut nous parler par nos enfants. Ton enfant peut te sortir une parole. Mais si tu n'as pas l'écoute, qui passe à côté? Un exemple. Tu es là, en train de prier, et puis tu fais une... Tu vas pécher, tu vas faire une erreur. Et puis ton enfant de 3 ans qui va te dire, maman, Jésus n'est pas d'accord avec ça. Maman, même toi qui prie. Maintenant, frère, Dieu t'a parlé. Dieu t'a interpellé. La Bible dit que même par la bouche des enfants, Dieu tire la louange. Dieu peut parler par nos enfants, mes amis, pour nous enseigner. Et c'est à nous d'être à l'écoute. Alors on aimerait tellement que Dieu ne parle pas des songes. Oui, parce que Dieu parle à tel prophète. Dans les visions, le prophète dit à chaque fois que Dieu lui donne des songes, des visions. Moi aussi, je veux quand je veux dormir, que Dieu me parle. Frère, le prophète, c'est son don. Mais toi, peut-être que Dieu te parle par des circonstances. Sois à l'écoute. Sois sensible, sois à l'écoute de son esprit. Ne sois pas un imitateur charnel. Tu vas passer à côté. Alléluia. Le langage du Seigneur. Comment Dieu me parle-t-il? Où est ce Dieu? Il m'a abandonné, il m'a délaissé, il m'a rejeté, il ne m'aime pas. S'il m'aimait, pourquoi autant de souffrances? Pourquoi autant d'épreuves? Mais mon ami, si tu crains Dieu, tes épreuves, c'est le langage du Seigneur. Il est tout simplement en train de te monter, de te purifier, de te sanctifier, de te laver, de te nettoyer. C'est à toi. Souvent, on baisse les bras. Je dis, non, j'en peux plus. J'en ai marre. Je veux tout claquer. Je vais sur une île déserte où personne ne me voit, où personne ne me connaît. Mes amis, où que tu sois, quoi que tu fasses, Dieu, s'il t'a choisi, il ne va pas te lâcher. Même si tu te dis au marin, comme je l'ai fait, je ne t'aimerai pas des cibords. Mes amis, Dieu va envoyer un poisson. Un poisson qui va venir comme un taxi spécial, envoyé spécialement par ton papa céleste. Le poisson va t'avaler et tu vas l'admirer parce que c'est comme ça. Dieu parle de plusieurs façons et regardez le langage du Seigneur. Il y a le langage du Seigneur, il y a aussi le langage de Babylone. Le langage de Babylone, c'est quoi? Prenons Genèse 11. Le langage babylonien, le langage la religion. Genèse chapitre 11, verset 1er, au verset 9. Toute la terre avec une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ses habitants. Ils se dirent l'un à l'autre, allons. Faisant des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils disent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de notre terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Et maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et qu'ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Frère, le langage babylonien est un langage de la confusion, la confusion. À Babel, les hommes ont voulu construire une grande ville parce qu'ils avaient tous le même langage. Le mot langage ici, frère, ça veut dire littéralement vision. C'est un langage humain, un langage humaniste, un langage.
Dieu n'est pas impliqué, un langage où Dieu est exclu. Ils voulaient bâtir la ville parce qu'ils avaient tous la même langue. Ils parlaient tous la même langue, le même dialecte. Alors, parce que nous sommes tous guadeloupéens, alors bâtissons-nous une église guadeloupéenne. Parce que nous sommes congolais, alors restons entre congolais parce que nous parlons le même langage. Voilà le langage du monde. Ce langage-là parle beaucoup aux charnels. Ce langage parle beaucoup aux racistes. Oui, parce que nous sommes blancs. Restons entre blancs. Vous comprenez, les noirs, ils ne vont pas trop les approcher. Ils sont comme ça, c'est noir. Parce que nous sommes noirs, vous comprenez, restons entre noirs. Parce qu'on est blancs, vous comprenez. Mais ce langage-là, c'est terre. C'est le langage babylonien, c'est le langage du monde. Ils avaient tous le même langage. Et leur unité était basée sur leur langage. Ils avaient bâti leur unité sur la langue. Dieu n'était pas l'auteur de leur unité. Dieu n'était pas le fondement de leur unité, de leur union. Leur union était basée sur le langage, c'est-à-dire la culture. C'est le langage que ce monde nous présente. Ah oui, je suis noir, je dois à tout prix me marier avec une femme noire. Voilà le langage du monde. Et si tu as ce langage-là, le racisme, le tribalisme, le sectarisme, ce langage du monde, mes amis, t'empêchera, ce langage t'empêchera d'être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Ce langage raciste, parce que tel n'est pas comme moi, tel ne pense pas comme moi, tel n'est pas de ma race, tel n'est pas de ma couleur, tel n'est pas de mon pays, tel n'est pas de mon quartier, tel n'est pas de ma couleur. Ce langage babylonien est un langage qui nous voile, qui nous empêche d'entendre Dieu, qui nous empêche de comprendre la pensée profonde de Dieu. Ce langage est un langage babylonien. Oui, parce que nous sommes noirs, et nous allons entendre les noirs. Parce que nous sommes à Baluba, une ethnie au Congo. Et bien nous allons être tous avec les Baluba, parce que le pasteur est Baluba. Alors tous les Baluba se retrouvent autour du pasteur. Parce que l'église est une église balubaïenne, une église de Baluba. Parce que le pasteur est au Congo, une autre ethnie au Congo. Et bien tous les Congolais se retrouvent autour du pasteur. Parce que le pasteur est un Angolais, tous les Angolais se retrouvent autour du pasteur. Ça, c'est un langage de Babylone. Et si tel est ton cas, tu as besoin de te faire débabyloniser. La débabylonisation est une affaire facile si on laisse Dieu opérer dans nos vies. Oui, frère. Donc, il y a deux langages. Le langage de Dieu et le langage de Babylone. Le langage de Dieu, frère, n'est pas toujours facile à comprendre. Il nous faut le discernement. Parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le langage de Babylone est basé sur la culture. Oui, parce que nous partageons la même culture, parce que nous partageons les mêmes valeurs, parce que nous partageons les mêmes choses, parce que nous venons d'un seul, du même pays. Alors, soyons ensemble. Eh bien, vous allez construire, mes amis, un club. Vous allez construire, mes amis, une église ethnique. Et nous devons refuser de construire une église ethnique. Nous devons faire crier à Dieu pour que nous ayons un autre langage, le langage du Seigneur. Et ça, c'est très important. Alléluia. Voilà. Parce qu'ils ont le même langage. Et Dieu, pour les disperser, il va toucher le point crucial. La base de leur, le fondement de leur union, le langage. Dieu confondit leur langage. Voilà pourquoi c'est dans le monde. Le langage mondain est un langage qui produit la confusion. Combien de femmes sont-elles confuses parce qu'elles ont fait confiance aux hommes, parce que les hommes leur ont donné des belles paroles. Frères, sœurs, combien d'hommes ont-ils fait des belles promesses avec le langage babylonien? Les belles paroles, les paroles qui touchent ton cœur, parce que ton cœur a besoin de la parole qui encourage, parce que nous avons tous, vous et moi, été créés pour entendre les belles paroles. Voilà pourquoi l'homme vient écrire des belles paroles. Tu es joli, tu es beau, tu es ceci. Ce langage, mon ami, t'a trompé. Ah oui, combien de personnes pleurent-elles parce qu'elles ont été abusées, trompées, confuses, déçues. Alors,
Là, nous commençons à comprendre le langage du Seigneur. Comment Dieu parle-t-il? Actes chapitre 2, le verset 1er, au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Voyez, Dieu parle ici par le vent, encore. Dans le vent de la tempête, est-il rempli toute la maison où ils étaient assis? Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait. N'est-ce pas? Leur donner de s'exprimer. Voyez ici, frères et sœurs, alors que le langage du monde, n'est-ce pas, crée la confusion. Le langage du monde, c'est le langage, c'est le racisme. Parce que nous avons tous le même, nous parlons tous le même dialecte. Alors, ils sont les efforts, parce que nous sommes tous Guadeloupéens. Ils sont les efforts, parce que nous sommes toutes martiniquais. Ils sont les efforts, parce que nous sommes congolais. Ils sont les efforts. Ça, c'est le langage de Babylone, parce que c'est un langage qui exclut Dieu. C'est un langage qui te fait croire, parce que vous êtes entre Congolais, vous êtes plus fort. C'est un langage babylonien. La force ne viendra pas de l'unité humaine, d'une organisation humaine, de l'écumenisme. La force vient de Dieu. Il est dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Et on voit dans Acte 2 ici, frère, la Bible nous dit qu'il y a eu plus de. En fait, l'Église est née avec 120 langues différentes. Vous vous rendez compte? L'Église est née avec 120 langues différentes. Deux langages. Le langage babylonien crée la confusion, crée la division, la séparation, comme dans Genèse 11. Mais le langage de Dieu, n'est-ce pas, crée l'unité. Si tu viens, tu parles chinois. Moi, je parle français. L'autre parle arabe. L'autre parle le créole. L'autre parle l'anglais. Même si nous avons des langues différentes, mais cette différence, mes amis, ne se fera pas sentir parce que nous avons tous le seul langage, le langage de Dieu. Et le langage de Dieu, frère, c'est qui? Qui est le langage de Dieu? Parce que ici nous voyons 120 langues, malgré leur diversité, une unité. L'Église est née, unie. Vous vous rendez compte? Il parlait arabe, il parlait l'arabe, il parlait l'anglais, il parlait le français, il parlait toutes les langues, pratiquement. Mais ils ont été uniques. Les Arabes ici n'ont pas voulu faire leur tour à eux. Ceux qui parlaient l'anglais ne se sont pas dit, bon, nous devons être seulement avec les Anglais. Mais ils ont été unis parce qu'ils avaient tous un seul langage, un langage spirituel. Et ce langage qui est-il? Hébreux, chapitre 1er. Verset 1er. Au verset 3. Après avoir autrefois, à plusieurs manières, ou de plusieurs, après en reprise, et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi et retiré toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le langage de Jésus-Christ, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps, le mot dernier ici c'est eschatos, l'eschatologie en français, le dernier des derniers, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé. Ça veut dire que, frère, toi qui saches ce que Dieu te parle, je veux que tu saches que Dieu t'a d'abord parlé déjà. Dieu t'a déjà parlé. Il y a 2000 ans de cela, Dieu a parlé.
Dieu a parlé par l'envoi de son Fils. Dieu nous a parlé par le Fils. Alléluia. Le Fils ici, c'est d'abord la parole de Dieu. La parole écrite de Dieu. La Bible, la parole que nous avons. Frère, si vous voulez connaître la volonté de Dieu, arrêtez de courir après le prophète. Ne viens pas voir sur un couteau pour connaître l'avenir. Sur un couteau n'est pas un charlatan. Ne viens pas voir un prophète chez nous pour qu'il te dise qui est ton mari, ta femme. Frère, Dieu t'a déjà parlé. Ouvre ta parole, ouvre la Bible, sors de l'écriture, je t'en prie. Parce que beaucoup de chrétiens ne sortent pas de l'écriture. Voilà pourquoi nos églises sont malades. Des charlatans viennent avec des fausses prophéties. C'est bien des miracles. On voit les pins à l'effigie de la colombe. On dit c'est ça la colombe, c'est ça l'esprit. Dieu n'est pas un oiseau, mes amis. Parce que beaucoup ne lisent pas la parole. Parce que beaucoup ne méditent pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi, frère, beaucoup se font avoir. Alors, je dis non, moi, Dieu ne parle pas. Frère, toi qui te dis, tu es chrétien, tu oses dire que Dieu ne te parle pas. Après avoir, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé. Le prophète ici n'a pas dit, l'auteur de cette épître aux Hébreux n'a pas dit, Dieu nous avait parlé. Ou Dieu va nous parler, il dit, Dieu nous a parlé. Donc ça veut dire que tout dépend de toi. Si tu veux connaître le langage de Dieu, ne va pas chercher un prophète. Ne va pas chercher un apôtre. Ne va pas chercher une directive, une direction auprès d'un pasteur. Tu vas te faire avoir. Tu peux chercher un conseil, ça ne sera pas mauvais. Mais si tu veux savoir ce que Dieu veut de toi, ce que Dieu attend de toi, ne va pas consulter un prophète. Ça, c'est la loi. Sous la loi, on allait consulter les prophètes. Parce que l'esprit ne connaît que ceux, les apôtres, les rois, les sacrificateurs et les amis. Les prophètes. Il y avait les prophètes, il y avait les rois et les sacrificateurs, les trois types d'individus sur lesquels l'onction se manifestait. Mais tu dois te retirer aujourd'hui, tu ne peux pas. Retire-toi dans ta chambre. Prends ta Bible. Commence à la lire. Commence à la méditer. Arrête de courir après les pasteurs, les hommes de Dieu. Arrête de t'embêter à vouloir ressembler à tel ministère, à tel ministère. Mes amis, sois toi-même. Sois ce que Dieu a fait de toi, ne sois pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Je crois que ce soir, nous allons recevoir un tout petit peu d'encouragement et la correction pour les uns et l'exhortation pour les autres. Sois toi-même. Alléluia. Dieu nous a parlé par le Fils. Alors, pourquoi nous laissons-nous le Fils pour chercher ses serviteurs? Nous laissons le Fils de Dieu. À qui il y a le langage de Dieu? Le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme le plus beau, l'homme le plus talent, l'homme le plus talentueux, l'homme le plus puissant. Jésus est le langage de Dieu. Si tu veux savoir la femme que Dieu a réservée pour toi, regarde Jésus. Si tu veux connaître l'homme qu'il te faut, regarde Jésus. Si tu regardes Jésus, quand un homme va se présenter, tu vas le comparer à Jésus. S'il ne ressemble pas à Jésus, c'est que cet homme n'a pas le langage de Dieu, donc ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas compliqué. Alléluia. Vous savez, la parole. La parole, c'est le langage de Dieu. Dans leur détresse, Dieu envoya sa parole. Et sa parole est guérie. C'est la parole. Tu as besoin de la parole. Dieu a parlé par la parole. La parole, elle est tout près de toi. Grâce qui est hébreu. Et le Romains chapitre 10 nous dit. Romains chapitre 10. On va lire le verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la loi, de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est qu'on fait descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Ose la parole de la foi que nous prêchons. Que
dis pas oui, Dieu ne parle pas. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a délaissé. Oui, je prie pour que Dieu me montre mon mari, mais il ne me parle pas. Je ne sais pas si l'homme qui vient me proposer un mariage est un homme de Dieu ou pas. Je ne le sais pas. Mais ce n'est pas compliqué, mes amis. La parole est un miroir. Prends la parole d'un côté. Prends l'homme de l'autre. Compare les deux. Est-ce que les deux sont-ils compatibles ou pas? Et si l'homme ne reflète pas la parole, si l'homme n'est pas compatible à la parole, s'il n'est pas, il ne mène pas une vie qui soit parallèle à la parole, une vie qui corrobore avec la parole, ça veut dire que ce n'est pas l'homme de ta vie. Peut-être que tu me dis que c'est l'homme de ta vie, mais ce n'est pas encore le temps, parce qu'il soit, il faut qu'il soit à l'image du langage de Dieu. Le langage de Dieu, c'est la parole. Et quand quelqu'un est un prédier de la parole, mes amis, tu commences à parler selon Dieu. Car les gens te maudissent, ça tu bénis. Le langage de Dieu, c'est la bénédiction. On te maudit, mais toi tu bénis. Alors si tu veux avoir le langage de Dieu, commence par la parole sur le commencement. Si tu veux avoir les visions de son, il y en a qui veulent aller visiter l'enfer, le ciel. Commence d'abord par la parole. Respecte la parole. La Bible dit Dieu n'existe pour les pécheurs. Commence par avoir le langage de la parole. Quand le Seigneur a été tenté par le diable, il n'a pas utilisé un langage religieux. Il n'a pas dit non, mon papa Charles Lamsapoti a dit, mon père Joseph a dit. Le diable dit, il est écrit. Dieu, Jésus dit quoi? Il est aussi écrit. Alors beaucoup de gens disent, non, mais là-bas, on leur fait mémoriser les versets bibliques de la tête. Mais frère, nous devons mémoriser la parole de Dieu. Non seulement, n'est-ce pas, la mémoriser, mais nous devons également l'assimiler. Nous devons l'avaler, la manger pour qu'elle nous transforme à partir, n'est-ce pas, de l'intérieur. Sinon, on n'aura pas le langage du Seigneur. Et si on n'a pas le langage du Seigneur, un homme sera un menteur. Comme les chrétiens m'ont dit, volontairement, consciemment, vivent de mensonges sur les frères. Combien de pasteurs manquent-ils? Parce que tout simplement, ils n'ont pas le langage du Seigneur. Ils ont le langage du monde. Le langage du monde, c'est quoi? C'est la séduction. C'est le mensonge. C'est le langage du monde. C'est le racisme. C'est le péché. Comment Dieu parle-t-il? Il parle par sa parole. Voilà pourquoi l'Écriture de Béry vérifie à chaque fois dans les Écritures pour voir si ce que Paul leur enseignait était scripturaire ou pas. Sommes-nous des chrétiens de nom ou de ceux et celles qui ont le langage de Dieu? Quand tu ouvres ta bouche pour parler avec les inconvertis, avec tes collègues au travail, à l'école, est-ce qu'ils voient la parole de Dieu dans ta bouche? Est-ce qu'ils voient le langage de Dieu? Ou est-ce qu'ils voient un autre langage? Le langage du monde, c'est la division. Le langage du monde, c'est la grossièreté, les grossièretés, des propos indécents. Le langage du monde, c'est les insultes. Combien de chrétiens, des couples chrétiens se battent-ils? L'homme et la femme se battent, mais devant leur pasteur, ils font semblant que tout va bien. C'est l'hypocrisie, mes amis. Nous devons avoir le langage du monde. Dans le monde, et le langage du Seigneur, dans l'église et partout, on doit retrouver le langage du monde dans le monde. Mais malheureusement, le langage du monde, on le retrouve dans beaucoup d'églises. Ah oui. Le langage du monde, frère, dans l'église, dans beaucoup d'églises. Le monde est entré dans beaucoup d'églises. Le péché, la convoitise, la masturbation. Vous me direz, c'est cru, oui, frère, le péché, c'est le péché. Le péché détruit nos vies. Le langage du monde, frère, c'est l'alcool auquel tu es attaché. Sans l'alcool, tu te sens mal. Tu ne bois pas la bubine. Tu ne bois pas l'alcool une fois avant de te sentir à l'aise. L'alcool, 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 du vin rouge du matin au soir. Et on dit, c'est ça l'option. Tu prophétises quand tu es pointe du vin. On dit, c'est le vin nouveau. Mes amis, nous devons nous repentir. Au nom de Jésus. Alléluia! Le langage de Dieu. Et les jeunes gens, les jeunes frères, vous qui me suivez ce soir, vous devez avoir le langage du Seigneur. Alléluia! Regardez le langage du Seigneur. Quand on t'insulte, tu bénis. Quand on te maudit, tu bénis. On te frappe sur la joue droite, tu bats la joue gauche. C'est dur, vous me direz, mais comment faire, frère? C'est dur, c'est facile à le dire, mais Dieu le fait.
parce que tu es conscient. Mais si tu laisses l'Esprit de Dieu habiter ton cœur pleinement, tu verras que tu vas s'effacer. Parce que tu diras comme Paul dit, je vis, mais de moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Quel langage as-tu? Et comment veux-tu que Dieu te parle? Comment veux-tu que Dieu se révèle à toi? Tu ne prends même pas le temps de méditer la parole de Dieu. Tu ne consacres pas suffisamment du temps à la lecture de la parole de Dieu. Tu fais une lecture superficielle. Tu fais une lecture flash. Mais par contre, quand tu t'assois devant la télévision, tu vois toutes sortes de saleté. Alors, bien évidemment, quand tu dors la nuit, comment tu veux que je te parle? Voilà pourquoi beaucoup ont des songes de mari, des nuits, des femmes, des nuits. Parce que justement, ils n'ont pas la parole du Seigneur. Si on t'insulte, comment réagis-tu? Ah non, moi, on ne parle pas comme ça. Moi, mes frères, tout simplement. Où est le langage de Dieu? Ayons le langage du Seigneur. Et je veux te dire ce soir, Dieu peut te mettre au milieu des noirs, toi qui es blanc, pour que tu travailles avec les noirs, que tu les supportes. Dieu peut te mettre au milieu de blanc, toi noir, pour que tu les supportes, mais il faut que tu aies le langage du Seigneur. Amen. Et Paul dit, avec les Grecs, j'étais comme un Grec, pour que les Grecs aient le langage de Dieu. Quand tu es avec les noirs, le langage des noirs, pour les aider. Quand tu es avec les blancs, le langage des blancs, pour les aider. Et ce n'est pas toujours évident, malgré nos différences culturelles, les différentes manières dont nos parents nous ont éduqués. Ce n'est pas toujours évident de travailler ensemble. Mais si nous avons l'avantage de Dieu, nous allons voir au-delà de nos différences, de nos couleurs, au-delà de nos cultures, et nous allons accepter de travailler dans l'amour. Je ne parle pas de l'œcuménisme, je ne parle pas de ceux qui sont dans le péché, de ceux qui mentent volontairement, mais je parle de ceux qui ont des caractères différents, des cultures différentes, d'origines différentes, mais qui ont le langage de Dieu. Et je vous dis une chose de frère. Le Seigneur a dit dans Jean chapitre 10, les brebis entendent ma voix, et elles me suivent. Si vous êtes de Dieu, vous reconnaîtrez le langage du Seigneur. Vous reconnaîtrez, parce que vous me direz, comment faire pour ce matin que Dieu me parle? Mon ami, si tu es de Dieu, quand Dieu te parle, même si tu ne comprends pas tout de suite, mais Dieu va insister, Dieu va persévérer, Dieu va patienter jusqu'à ce que tu comprennes son langage. Et quand tu vas comprendre son langage, tu diras, ah oui, c'est Dieu qui me parlait, je n'avais pas compris. Seigneur, maintenant je comprends. Maintenant, je saisis ta pensée. Merci Seigneur pour ton amour pour moi. Merci pour la grâce que tu m'as accordée. Voilà pourquoi le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix. Le message du temps que Dieu nous a donné, que Dieu a donné aux nations, que Dieu a donné à des ministères dans le monde entier, que Dieu vous a donné à vous qui êtes au Canada, le retour à la parole, la dernière trompette qui sonne, dans le langage de Dieu. Mais très peu de chrétiens saisissent le langage de Dieu. Parce que beaucoup sont aveuglés par l'amour du monde, par la cupidité, par le sexe. Et ils ne comprennent pas le langage du Seigneur. Ils ne saisissent pas le langage du Seigneur. Le Seigneur a dit, je suis venu parmi vous. J'ai parlé, j'ai crié, j'ai chanté. Et personne n'a écouté. Personne n'a saisi ma pensée. Mes amis, ne soyons pas des ceux et des celles qui passent à côté du message du temps. Qui passent à côté, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu. Combien parmi vous ont prié Dieu pour que Dieu se révèle à eux. Et au moment où Dieu les visite, ils passent à côté de la visitation. Jérusalem, Jérusalem. Qui tue et qui lapide des prophètes. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme ils pourraient rassembler pour ceux qui faisaient, mais vous ne l'avez pas voulu. Jérusalem est passé à côté du langage de Dieu. Jésus est venu. Il est né des étables. C'était le langage de Dieu pour les Juifs. Mais ils n'ont pas compris ce langage. Parce qu'eux, ils attendaient un autre langage. Ils attendaient ce que le Messie sorte du ciel. Mais ça, c'était quoi? C'était le deuxième langage de Dieu. Lors de la seconde venue du Messie. Mes amis, ne soyez pas charnels. Discernez le plan de Dieu.
Et Dieu, frère, peut aussi, à nos frères, il peut envoyer ses serviteurs, ses ministres, ses saints, ses prophètes, frères, pour te parler le langage du Seigneur, mes amis, le langage du Seigneur. Dieu veut donner une nouvelle dimension de ministère, mais toi, tu n'as pas saisi la connexion que tu as faite. Tu n'as pas compris parce que tu es resté charnel, mon ami. Voilà comment beaucoup échouent. Dieu t'a visité à plusieurs reprises, mais tu n'as pas saisi la visitation parce que tu as été charnel. Parce que tu as vu le langage de Dieu de façon charnelle. On le voit Dieu dans les hommes, tu as vu la couleur de la peau. Tu as vu leur origine. Mes amis, Dieu peut parler par les blancs. Dieu peut parler par les noirs. Dieu peut parler par les jeunes. Dieu peut parler par les vieillards. C'est à toi d'avoir le discernement. Que Dieu me parle, que Dieu me visite, que Dieu me guérit, que Dieu est en train de se révéler à moi. C'est à toi d'avoir le discernement, mon ami. Ne regarde pas le langage de Dieu avec tes yeux charnels, parce que tu vas chasser le langage de Dieu. Parce que toi, si tu es blanc, tu diras non, Seigneur, je veux tout que tu me parles par les blancs. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Si hier il te parlait par les blancs, aujourd'hui il te parlait par un noir, par un métis, par un chinois, par un arabe. Dieu fait ce qu'il veut, frère. Il est Dieu. Il a son langage en lui. On ne peut pas lui imposer un langage. On ne peut pas lui imposer une manière d'opérer. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est à toi de saisir. C'est à toi de saisir. Et si ton voisin ne saisit pas, toi saisis. Ta destinée est très destinée, frère. Ta destinée est prophétique. Ta destinée est personnelle. Ne te compare pas aux autres. Ne te mesure pas aux autres. Ce n'est pas l'effet de masse. Nous ne suivons pas la foule. Mais si toi suis le langage de Dieu, regardez les mages, frère. Ils ont suivi l'étoile. Ils ont suivi le langage de Dieu. Des mages, des magiciens, des satanistes, des sorciers ont saisi le langage de Dieu. L'étoile lui parlait. Et parce qu'ils ont saisi, frère, l'étoile les a conduits à la maison de l'enfant Jésus. Et les grands érudits, les grands docteurs, les grands scribes, parce qu'ils sont charnels, ils n'ont pas saisi le langage de Dieu. Frère, voilà pourquoi Hébreux 8 nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, même Dieu, ce n'est pas votre cœur.